Je suis dans Rachel Rachel et j'incarne le rôle de la reine Jawahir. Jawahir, c'est une reine féminine qui a débarqué au final de Rachel Rachel. Qui maltraite les femmes. Donc c'est une femme très féministe. Son but est de donner à la femme le statut qu'elle mérite. Mais c'est pour la femme en même temps. Elle est belle ou chérie. C'est une femme très, très consciente. En plus, elle est très forte. Je suis un peu de rahma ou un peu de pouvoir. Je suis un peu de mousser. 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 Oui, j'ai eu des difficultés, mais ça, c'était l'un des moments les plus drôles aussi. J'étais sur une plateforme et je faisais semblant d'être accrochée. Il n'y avait rien en dessous, réellement. C'était drôle en même temps. Et quand je voyais Amira sur le cheval, Amira a énormément peur des animaux. Donc, Ashour, c'est un grand acteur. Je l'ai admiré. Surtout quand il fait le rôle de Ashoura. Ça, c'est très dur pour un comédien de se transformer comme ça d'un seul coup. J'ai adoré travailler avec lui. Allez, juste maintenant. C'est pas une très bonne fin, parce que c'est quand même, comment dire, c'est utopique, le monde de la femme, où règne la femme. Donc ça peut pas être possible à la fin. Mais elle a quand même essayé. J'aime bien écouter, genre, quand il parle, quand il dirige. Il entend aussi les autres. Quand je propose حاجة يسمع لي حتى نكمل ويخو اللي حاب ياخو من عندي ويعطيني هو لي رمارك نتاعو. Pour montrer le côté militaire تاعك et tout ça, Ria, elle reste à contempler. Franchement, c'est l'un des rôles qui m'ont marqué. رمضانكم مبروك, كل عام وانتم حيين بخير.